Alors attendez, parce que cette scène-là, la caméra a bugué. Ne vous inquiétez pas, ça va vite être rétabli. Voilà. Allez, on est parti pour du Mario Kart 8 Deluxe, les amis! On fait suite au live de Metroid Prime Hunters, le dernier épisode du coup. Et on va se mettre. On va se poser calmement jusqu'à notre heure où on va se quitter. Et on va jouer en ligne d'ailleurs. On va jouer en ligne, on va jouer en ligne, on va jouer à. Est-ce que j'ai encore le comment dire? Ah oui, c'est vrai que je suis plus sur la Wii U, les A et B sont inversés. Est-ce que j'ai encore mon salon? C'est ça que je cherchais le mot. Mon tournoi, voilà. Mais oui. Il est là. Alors attendez, je vais juste regarder si je peux vous remettre le code. Logiquement, si j'appuie là, ça marche. Est-ce que c'est le bon? C'est le bon. Et ben c'est parti. Je vais en reprofiter pour faire ça. Pour faire. Ça. Ça. Logiquement, j'ai renvoyé un tweet. Voilà. Et. Tu es toujours là, mon cher Edogi. Je ne t'entends pas. Je ne te vois pas écrire, tout du moins. Twitch, non, explique, ok. Je vais en profiter pour envoyer un MP à quelqu'un qui est susceptible de jouer. On va bien voir si la personne est là. Non, il n'y a pas de souci, Doggy. Je voulais savoir si tu étais toujours là. Il n'y a pas de problème. Eh ben, on va attendre un petit peu que les gens arrivent. C'est pas un souci. Alors, on va peut-être faire 2-3 courses, j'irai dans le tournoi par la suite. Si je vois qu'il y a des gens qui se manifestent sur le chat, j'irai en mode tournoi. Je vais déjà faire des courses parce que sinon on va attendre pour rien, ça sert à rien. Allez, on va faire des courses, ouais, t'as vu, tranquille, allez. Faut que j'arrête de prendre cette action totalement nullissime. Et on va pouvoir jouer tranquillement à Mario Kart 8 après cette crispation de main que j'ai eue sur Metroid Prime Hunters. Alors pour celles les personnes qui se demandent, je joue avec la manette pro. Ah d'ailleurs,
comme le côté vert et vert du coup bah avec le fond vert on le voit pas, ça fait une manette transparente. J'ai le seul exemplaire de manette Switch Pro qui est transparent au monde. Rendez-vous compte les amis. Faut que j'arrête. C'est marrant, enfin bref. Ok. On va prendre, allez. Petite route arc-en-ciel. Non. Ah non! Putain, je me suis trompé entre A et B. J'ai fait quitter comme quel boulet. Mais oui, c'est pas en bas pour valider sur Switch, c'est en haut. Tant pis. Est-ce que je vais retomber dans la même partie? Non, tant pis. Je vais voir si je peux pas régler un poil le fond vert parce que là c'est pas top top. Je vais en profiter. On en est pas mal là. Ok. Alors le bouton A est en haut et le bouton B est en bas. Remarque, je raconte des bêtises. C'est la même chose sur Wii U. je suis en train de regarder là. En fait non, c'est pareil, c'est juste que c'est sur Xbox en fait, je suis habitué. Parce que je joue beaucoup à The Division avec une manette de Xbox One. Et du coup, A et B sont inversés. Ça va le faire, vous inquiétez pas. Donc je disais, bah voilà, j'ai une manette transparente. En mode YOLO. Je sais, il me faut pas grand chose pour que je sois heureux et que je raconte des bêtises, mais bon, voilà, c'est marrant. Là. Il sait plus à quoi il joue. Bah, en fait, c'est ça que de changer plein de fois de manette et de support, t'as du mal au bout d'un moment. Ouais, parce que sur les manettes de One, ah, je vais pas prendre celle-là parce que celle-là vous allez pas voir. Sur les manettes de Xbox One, on a le bouton A en bas et B sur le côté. Alors que sur les manettes de Switch, le bouton... Alors, vous n'allez pas le voir, le bouton A est en, sur le côté et le bouton B est en bas. C'est inversé. Et comme je joue pas mal avec une manette de Xbox One à The Division, ben voilà, je me suis gouré comme un con. C'est pas grave. Un peu voilà. Il commence à faire un peu frais. Au moins ça va, le PC il chauffe pas, c'est bien. Parce que là actuellement j'ai 20 degrés dans la pièce, que quand la fenêtre est fermée j'ai 25 quand je fais un live. Je peux vous dire qu'à 25 degrés vous avez un petit peu chaud. Allez, voilà, je disais donc route arc-en-ciel. Pour commencer, on va se mettre dans le bain tout de suite.
Bon, tant pis, on n'a pas eu la route arc-en-ciel, mais bon, que voulez-vous, piste d'hélice, c'est bien aussi. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Mario Kart, bordel. Ça va être compliqué. Oh, quoique, hein, Mario Kart, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Bon, bah déjà, ça commence mal, déjà. Du coup, Edogi, au niveau du son, ça donne quoi? Est-ce que c'est assez fort ou pas assez fort du coup? Parce que j'ai l'impression que le son est moins fort que Metroid Prime Hunters, en fait. Ok. Merci, Edogi. C'est pas moi qui l'ai eu avec mes bananes, mais c'est lui qui l'a eu avec sa carapace. Ça marche aussi, vous me direz. Ok. Oh non, j'ai suicidé ma carapace rouge avec mon boomerang. J'aurais dû le lancer en arrière. Parce que sinon le premier va s'ennuyer. Il y a quelqu'un qui m'a aussi lancé des boules de feu derrière. Oh non, pas en plein truc comme ça, c'est dégueulasse. C'est pas du jeu. Oh là là, au dernier tour en plus. Forcément, j'arrive une frame trop tard. Oh là là. Comment je me fais viol pour cette première partie, c'est un truc de dingue. Forcément, s'ils ont tous une étoile, mon éclair ne sert à rien. Oh, il y en a qui jouent avec le gyroscope et le volant. Et bah franchement, respect mec, hein, parce que... Je sais pas comment tu fais. Allez, un petit circuit Mario, un petit classique pour se mettre en bouche. N'hésitez pas, si vous êtes sur le stream et que vous regardez cette vidéo en live, le code de tournoi qui est ici, vous me le dites si vous voulez me rejoindre. Je quitte le online et je vais vous rejoindre. Il faut juste me le dire, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a personne, on peut pas faire de course, donc du coup, en attendant, je fais des courses online. Ah, 150 miroirs! Super! Ça fait combien d'années que j'ai pas fait de miroir? Bah, depuis que j'ai fini le jeu, tout simplement. Allez, cette fois, on rate pas le départ. Et c'est parti, les amis! Va-t-on décrocher cette première place? En tout cas, vous pouvez quand même remarquer que le turbo violet, il est abusé comparé à celui de Mario Kart 8 standard, qui n'existait pas d'ailleurs sur Mario Kart 8, mais uniquement sur la version Deluxe, qui est donc la version Switch. Ah,
Alors, une petite règle sur Mario Kart, on dit jamais c'est bon, je suis premier. Jamais il ne faut dire cette phrase. Pourquoi? Parce que Mario Kart c'est un jeu de fils de. Et jusqu'au dernier moment, vous pouvez vous faire avoir et perdre votre place de premier. Donc il faut maintenir l'avance tout au long de la course, les 3 tours. Il faut surtout pas relâcher ses efforts. Et là je vais me faire troll. Prochainement quand on passe au moment où les plateformes changent de sens, bah voilà, il faut assumer. Ok, dernier tour. Je crois bien que la plante piranha a chopé la carapace rouge au vol. On va pas se plaindre. Ok. Double objet. On se prémunit de la carapace rouge. Ah, éclair. J'allais dire, c'est bizarre, j'ai encore pas vu de carapace bleue. Mais il y en a pas une. Ah bah si, voilà, la première. Mais c'est trop tard. Ok. Première place. Voilà, il a fait une course de chauffe et maintenant première place, c'est parti. En même temps, j'ai eu de la chance. Il n'y a pas de carapace bleue. D'habitude, il y a au moins une carapace bleue par tour. Là, il n'y en a pas eu. C'est ce qui m'a permis d'être premier. Sinon, je n'aurais pas été premier. Allez, on continue, les amis. Est-ce qu'on va pouvoir faire la station Glagla ou l'aéroport? La plage Chip Chip, je suis pas fan. Je suis pas. Voilà. Non, c'est. Blablabla. J'aime pas. Tiens d'ailleurs Edogi, si ça ne te dérange pas, l'aéroport serait cool, ouais je suis d'accord. Mais j'avais pas envie de le faire plus que ça. Et ben voilà, l'aéroport. Edogi, tiens, si ça te dérange pas, est-ce que tu peux regarder s'il y a des gens qui streament du Mario Kart 8? Juste pour savoir ou si je suis le seul en France à faire ça ou pas. Je crois qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de monde qui stream du Mario Kart 8. Alors, un petit conseil, il faut surtout pas hésiter à freiner dans les virages, c'est la technique qu'on utilise en mode 200cc. Ah, il y a quand même du monde qui stream du Mario Kart 8 Deluxe, c'est bien. Est-ce que c'est que de la version Switch ou la version Wii U pour le coup? Parce que c'est ça qui est dommage, c'est que sur Twitch ils ont pas fait la différence. Hein. Entre la version Switch et la version Wii U, c'est quand même dommage. D'accord. Alors voilà, deuxième tour, carapace bleue. Merci à Doggy. Donc faut surtout pas hésiter à freiner dans les virages, parce qu'en fait, ça vous permet de rattraper votre trajectoire, en fait, tout simplement. Sentez que vous avez votre trajectoire qui part hors du virage, vous pouvez freiner et rattraper votre centre de piste.
pas trop freiner parce qu'après vous allez vraiment avoir une trajectoire bizarre. Il faut s'entraîner. Il faut freiner tout en accélérant. C'est un peu bizarre, mais en fait là voilà, c'est ce que je fais. Je freine un tout petit peu et je continue d'accélérer. Ça fait que du coup je ne touche pas la barrière alors que j'aurais dû. Si vous êtes attentif à l'audio, vous entendez quand je freine, ça fait un petit oui comme ça. Même si je fais très mal le bruit de frein. Est-ce que j'ai besoin de repréciser que les musiques de ce Mario Kart sont sublimissimes? Elles sont juste magnifiques. Alors là, ce qu'on vient de voir, la carapace bleue, en fait, elle m'avait pas encore lock. Si la carapace bleue m'avait lock, alors que j'étais passé à la ligne d'arrivée, elle m'aurait touché. Le problème, c'est que là, j'ai passé la ligne d'arrivée juste avant qu'elle me lock. Ça fait qu'elle a bugué. Et en fait, elle pouvait plus me lock parce que je fais plus partie de la course une fois que je passe la ligne d'arrivée. Du coup, elle refait un tour et elle va aller prendre la dernière personne qui n'a pas encore passé la ligne d'arrivée. Allez, un petit autodrome royal. Ça ferait plaisir. On va leur dire bonjour, tiens. A priori, la personne que j'ai contactée n'est pas disponible. Enfin, n'a pas vu le message encore. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Circuit Yoshi, c'est pas mal aussi ça. Pour les amateurs de la GameCube avec Double Dash, vous vous rappelez du circuit Yoshi, ce circuit endiablé qui n'a que des virages quasiment. Et bien on va le faire, et comme vous pouvez le voir sur votre droite, ça représente Yoshi. Bah il faudrait que je vois si je peux pas refaire des lives sur les vieilles consoles, hein. Ça pourrait être intéressant. Mais pour stream de la GameCube, si avec la Wii je pourrais. Et, il va falloir que je revoie mon système de branchement, ça va être compliqué. D'ailleurs, je suis en train d'étudier un système automatique en fait pour que je n'ai plus besoin de vous mettre ces scènes d'attente entre chaque jeu. Enfin, si, je vous les mettrai quand même, mais ça sera beaucoup moins long. En fait, il faut que je trouve un système pour switcher automatiquement de source sur mon boîtier de capture sans avoir besoin de débrancher de câble. Et je sais que ça existe. Je sais qu'on peut le faire. Il faut que je regarde comment ça fonctionne et si je peux mettre ça en place. Ça fait que du coup, par exemple, là, comme j'étais sur Metroid Prime Hunter sur Wii U, eh bien, j'aurais juste à poser ma Switch dans le dock et en fait... la source vidéo se changerait toute seule et passerait directement sur la Switch, et j'aurais pas besoin de débrancher le câble, rebrancher le câble, etc. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un enchaînement. Voilà, du coup maintenant je suis deuxième. Tiens, tag DS, ça va te faire les jambes. Oh là là. Ouais, forcément maintenant ils sont tous là. Alors, pour les personnes qui n'auraient jamais joué à ce jeu, il faut absolument penser à prendre les pièces. Parce que les pièces, quand vous en avez 10, ça augmente sensiblement votre vitesse maximale. Donc là, petit raccourci. En fait, ça augmente sensiblement votre vitesse maximale et ça vous aide à prendre de l'avance du coup. Là, je vais tenter, ça passe pas. Si, ça passe! Oh non! C'est ma propre carapace que je me prends et il me redouble! Mais non! Ah punaise! Ah, j'ai pas eu de chance!
Ah, finesse, c'était tellement beau. J'aurais pu finir premier. Mais non, ma carapace m'a dit non. Damned. Allez, un petit circuit Hyrule. Et oui, parce qu'on aime bien aussi Zelda. On aime bien. À mes heures perdues, j'aime bien. On peut pas dire que je n'aime pas Zelda. D'ailleurs, à ce propos, il faudrait que je reprogramme une séance de diffusion sur la chaîne des Héros du Temps pour continuer Twilight Princess. Et je sais pas quand est-ce que je vais faire ça. C'est pas grave. Ah, il y en a un qui a pas eu de chance. Si, il a fini dans le vide. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce niveau, il faut pas avoir peur de taper le balancier en fait. Vous pouvez arriver contre le balancier du moment que vous avez pris le bonus de saut, c'est-à-dire appuyer sur la touche de dérapage au moment où vous sautez. En fait, ça va vous arrêter, mais vous allez repartir avec la vitesse maximale tout de suite. Ça fait que vous allez vous perdre, allez tout casser 2 secondes, même pas une seconde et demie, on va dire. Et ça vous évite de faire un détour et de vous mettre dans une position. Regardez, je vais vous montrer, hop. Vous voyez, ça vous fait pas perdre de temps, ça. C'est plus concret quand on monte. Ah, c'est bon. Et il faut penser à chaque fois que vous pouvez le prendre, ce saut, il faut le prendre. C'est ce qui fait toute la différence sur un cercle. Forcément, on pique ma banane et il y a une carapace rouge qui arrive au même moment. Ça arrive tellement souvent, ça. Donc, si vous pouvez l'éviter, le balancier, évitez-le. Mais vous voyez, là, je prends le double objet, je perds pas de temps, vous voyez. Ah, carapace bleue, on ralentit un peu. On passe prendre l'explosion. Et on avance. Double objet. Nice. Donc là, à part carapace bleue ou éclair, je pense que on devrait finir premier. Même avec l'éclair, ça va. Ok. Tiens, allez, arène d'Excite Bike, c'est marrant. Tout peut arriver dans ce circuit. C'est ça qui est drôle. Vous me voyez regarder souvent derrière comme ça, c'est parce qu'en fait, à moitié derrière mon fond vert, là, j'ai un écran en fait ici. C'est pour ça que vous me voyez souvent regarder vers l'arrière. Mais je n'ai pas le choix, sinon si je le décale, eh ben vous allez avoir un trou ici. Allez, maison
hanté, enfin manoir trempé. En 150, c'est parti, on est chaud. Ah, normalement ça passe ici. Oh, ce bug. On a vu le gars qui a utilisé le champignon là dans le raccourci, il s'est fait toucher par une carapace verte, mais ça fait comme s'il s'était pas fait toucher en fait. C'est très bizarre. Ah, dites-moi, tiens, ah, la bombe, inévitable. Dites-moi d'ailleurs si vous attendez un nouveau Mario Kart, ou si plutôt vous préférez voir des DLC pour Mario Kart 8 Deluxe. Dites-moi ça, et moi je vous donnerai mon avis aussi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ni l'un ni l'autre, ok. Ah, comme ça, Edogi, ton avis est tranché. Moi je vais vous dire, je voudrais bien voir arriver un dernier DLC sur Mario Kart 8 Deluxe avec deux coupes, deux nouvelles coupes avec des nouveaux circuits. Ah, je l'ai vu trop tard. Ok, bon. 8ème, c'est pas terrible. En fait, moi je voudrais bien avoir un dernier DLC sur Mario Kart 8 Deluxe avec une coupe 100% circuits originaux et une coupe avec des circuits repris. Bah, comme ils ont fait jusqu'à présent d'ailleurs. Parce que du coup, bah, il commence un peu à vieillir ce Mario Kart 8 Deluxe et ça pourrait relancer justement la hype pour le jeu. De ressortir des DLC un petit peu plus tard comme ça. Je demande pas de nouveaux persos ou autre, hein, juste des nouveaux circuits. Les persos, il y en a suffisamment. Les cartes aussi. Juste des nouveaux circuits, quoi. Et corriger aussi l'aléatoire. Parce que quand on fait un championnat, quand on met en aléatoire, il suffit qu'on refasse derrière. Par exemple, on fait un championnat de 12 courses. Si on refait un championnat de 12 courses derrière, on va retomber sur les mêmes circuits, en fait, tout simplement. Alors, quand on sait qu'il y a la myriade de circuits dans Mario Kart 8 Deluxe, on a en droit de se demander pourquoi on retombe toujours sur les mêmes circuits. Alors qu'il y a des circuits qu'on fait quasiment jamais. Je pense qu'il y a moyen de modifier quelque chose à ce niveau-là. Pour que les circuits qui sont moins joués passe en priorité sur l'aléatoire que les circuits qui sont joués plus souvent, on va dire. Il faudrait qu'il y ait un système comme ça qui soit mis en place, histoire qu'on fasse pas toujours les mêmes circuits. Surtout en local. Surtout en local. Bravo Darkseid, je ne te félicite pas pour ce fabuleux départ. Allez, c'est pas grave, on va remonter tout ça. Si on se fait pas trop embêter, ça devrait bien se passer. Ah,
ont raté le double objet tous les deux. Ah, ce que t'imagines, tu sors un... Tu sors un, comment dire, un Mario Kart en bundle pour Noël, là. Avec la console. Mais avec un code de téléchargement pour les DLC à l'intérieur, tu vois, par exemple. Ça pourrait relancer la vente de Mario Kart 8. Ah, trop court. Après, est-ce que Nintendo a vraiment envie de relancer les ventes de Mario Kart 8? Je sais pas. Je vais pas dire je ne pense pas, parce que pour moi, c'est le meilleur Mario Kart à ce jour. Enfin... J'ai tellement joué, je l'apprécie tellement que j'ai du mal à dire les anciens étaient bons, en fait. Les anciens étaient bons à l'époque où on y jouait, en fait. Parce que maintenant, je suis désolé, me rejoindre à Double Dash, ça fait... C'est pas que ça fait peur, mais c'est que c'est un peu chaud, quoi. Oh, allez, Dougy, il faut bien que tu craques un jour. Il faut bien que tu changes d'avis. N'importe quoi, ça. C'est encore plus n'importe quoi, ça. Oh, le 8. Oh, le 8. Qui me permet de finir 3ème. Pas mal, pas mal. On va pas cracher là-dessus. J'ai gagné un tout petit peu de points, c'est déjà pas mal. Alors, pour rappel, Edogi, tu n'as toujours pas la Switch, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Je ne dis pas de bêtises en confirmant ceci. Toujours pas, voilà. Donc, du coup, est-ce que... Enfin, plutôt, on va prendre la phrase à l'envers. Quel jeu ou quelle chose pourrait te faire craquer pour la Switch, justement? Qu'est-ce qui pourrait te dire, allez, vas-y, c'est bon, j'achète la Switch, il me faut ce jeu. Si tu me dis rien, dans l'état actuel des choses, aucun. Comment ça, aucun? Tu n'as pas envie de jouer à Super Mario Odyssey? Tu n'as pas envie de jouer à Metroid Prime 4 qui va arriver? Tu n'as pas envie de jouer à Animal Crossing? Bon, ça peut se comprendre. Je vais me mettre à dos tous les fans d'Animal Crossing. Les Mario ne m'amusent plus depuis longtemps. Et bah ben alors dis-moi, Edogi, à quel type de jeu tu joues? Alors au final, si les Mario ne te hype plus tant que ça. Alors là c'est du 200cc, hein, c'est chaud les gens. Il y a longtemps que j'ai pas joué en 200. Alors là si vous freinez pas, vous êtes automatiquement dans les barrières. Ah hein. Oh, punaise. Zelda. Avec le coup de Breath of the Wild, c'est mort. Ok. Et si jamais il y a un autre Zelda qui sort uniquement sur Switch? Parce que là, tu prendrais la console. Un nouveau Zelda exclusif, hein, qu'on a encore jamais vu, pas un remaster. Parce qu'il y en a un qui est en développement, on va pas se mentir. Hein. Je suis pas fan de Metroid Prime, donc je m'en fiche. Donc y a le seul jeu qui peut te faire acheter la Switch, c'est le nouveau Zelda, alors. Ouah, trop vite. Faut voir s'il est comme Breath of the Wild, non. Ah bah c'est bien parti pour... parce que déjà je pense qu'il aura le même moteur graphique. En fait ils vont nous faire un coup à la Ocarina of Time Majora's Mask à mon avis.
Ils vont utiliser le même moteur graphique et ils vont créer une nouvelle histoire. Oh punaise, que c'était bien joué ça! Et toi, t'étais pas parti dans le vide il y a 2 secondes, non? Oh putain, je me bouffe sa banane. Ah, c'est foutu. Est-ce que je peux avoir la rouge? Non, j'ai pas lancé assez vite. Dommage. J'étais content de moi là, le petit dérapage à moitié les roues dans le vide là. C'était chaud. Bah, je pense qu'ils vont nous la jouer pareil que Ocarina of Time et Majora's Mask. On va avoir le même, exactement le même moteur graphique, voire même un petit peu upgrade, on va dire, dans les limites de la Switch. Ça va être dur. Parce que déjà, elle a du mal à faire tourner Breath of the Wild, la Switch, on va pas se mentir. Quand il y a beaucoup d'action à l'écran, elle galère un peu. Mais je pense pas qu'on partira sur un truc vraiment qui n'a rien à voir. Parce que leur souhait, c'est de... Comme à l'époque de Skyward Sword, je sais pas si tu te rappelles, le Skyward Sword est sorti pas énormément de temps après Twilight Princess sur Wii, qui était déjà un portage de la GameCube. Donc je pense que là on a eu Breath of the Wild à la sortie de la console. Je pense que sur la 4e ou 5e année de la console, on a un nouveau Zelda. Donc je pense que ça va arriver très rapidement. Surtout qu'a priori, il est déjà en développement depuis un paquet de temps. A priori, dès que Breath of the Wild est sorti, il planchait déjà sur le nouveau, donc... Ils se sont pas laissés tant de temps que ça de répit en fait. Et d'ailleurs, j'hésite à en fin d'année à vous proposer le Zelda comment ça s'appelle, Link's Awakening sur Switch en live. Vu que je l'ai jamais fini, j'ai jamais fait tout court d'ailleurs. Je me dis que ça pourrait être intéressant justement de le faire avec vous. Pour ceux qui, comme toi et Doggy, n'ont pas envie de l'acheter parce que voilà, chacun ses raisons. Je me dis que ça pourrait être une bonne idée. Ah, virage trop long. Parce que pour les personnes qui auraient oublié, on va avoir le droit sur Switch au remake de Link's Awakening sorti sur Game Boy. Et réédité sur Game Boy Color à l'époque. En version DX. Avec l'ajout du donjon couleur, d'ailleurs j'espère qu'il sera présent. Vu qu'on est sur un portage, j'espère que tous les aspects du jeu seront là. Un petit champi. Dommage. J'espère que tout le contenu du jeu sera là et puis j'espère que ça me permettra quand même d'accéder à ce jeu qui est ô combien mythique, que je n'ai jamais terminé par la rigidité de son gameplay en fait. Ok, petit klaxon, comme il fallait. Faudra voir, je suis pas contre la Switch ni Nintendo, juste pas intéressant pour moi ce qu'il propose actuellement de Breath of the Wild 1 et Breath of the Wild m'a mal mis aussi pour les soutenir. Ah oui, forcément. Donc ta dernière console Nintendo, ça a été la Wii U, c'est ça, les Doggy?
Il faut dire qu'il y a énormément de jeux Wii U qui ressortent sur Switch aussi. Oui, parce que Breath of the Wild. Exactement. Et la petite anecdote, j'ai Breath of the Wild sur Wii U, mais je ne l'ouvre pas. Il est toujours sous blister. Parce que je pense que ça va faire comme Twilight Princess à l'époque, qui j'aurais su d'ailleurs, je l'aurais acheté aussi sur GameCube et je l'aurais pas ouvert. Parce que je suis sûr que dans 10 ans, il est introuvable ce jeu. Mais bon, à l'époque, j'étais jeune, déjà j'avais eu du mal à me payer la Wii, plus Zelda, plus... non, Wii Sport, il était vendu avec. Ouais, Wii Sport était vendu avec. Déjà, j'avais mis tout mon argent de poche des 6 derniers mois de côté pour m'acheter tout ça. Alors du coup, bah, racheter Twilight Princess sur GameCube, j'avais plus de sous! Donc, comme vous avez pu le constater, je n'aime absolument pas Metroid. Jusque dans Mario Kart, je joue Metroid. LOL. Ok. Bon alors là ça se passe un petit peu trop bien. Je m'étonne encore de pas avoir vu Carapace Bleu arriver. Petit éclair. Petit éclair des familles. J'ai quand même vraiment hâte que Metroid Prime 4 sorte, bordel. Voilà, la carapace bleue, elle arrive. J'étais en train de dire, je suis triste, j'ai pas vu de carapace bleue. Je suis pas triste longtemps. Oh! Oh, comment il a failli une doublée sur la ligne! Comment je l'aurais eu mauvaise, heureusement que j'avais ma banane, ça m'a sauvé la vie. Ah, oh, cette action! Sur le fil, quoi. Non! Tu ne gagneras pas. Ah, il y a quand même des Français, hein. J'avais pas fait attention. Il y a 2 Français avec moi. On est 3. Allez, petite route arc-en-ciel Super NES! Qui fait plaisir! Ok. Ah.
Je sais pas si j'ai déjà fait des lives sur Splatoon, tiens d'ailleurs. Il me semble que oui. Ça doit faire tellement longtemps que j'ai pas fait de live sur Splatoon. Ça pourrait être marrant que je refasse d'ailleurs. J'ai fait un fin de stream. J'ai fait du Splatoon en fin de stream d'un truc, c'est ça? Il me semblait que j'avais fait un stream complet sur Splatoon. Je suis pas sûr. Mais je crois que c'est vieux, hein. C'était avant que je commence les Metroid, je crois. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah, c'est tout. Alors, pour rappel, ce circuit est tiré du jeu GBA. A savoir que sur le jeu GBA, le circuit est tout plat. Donc en fait, ils l'ont juste réinventé de toutes pièces, quoi. Ils ont juste suivi à peu près les courbes. Mais le circuit GBA n'a rien à voir avec celui-là. Il est d'ailleurs bien plus fun sur en 3D comme ça que sur GBA. Et le décor est tellement magnifique aussi. En fait, c'est dans une chambre d'enfant, du coup, c'est bien foutu, je trouve. Ah, pourquoi la carapace bleue? Bah là, c'est sûr que je finis pas en premier. Bah oui, forcément. La carapace bleue qui te sauve la vie. Carapace bleue devant la ligne d'arrivée, tu peux rien faire. C'est fatal. Bah attends, et Doggy, je vais te dire, je vais jeter un oeil vite fait à ma chaîne YouTube. Je vais regarder les vidéos. On va mettre quoi? Circuit des rues. Allez, hop, c'est parti. Vidéo. On va dire qu'il y a eu beaucoup de Metroid quand même. Lol. Affichement 50, s'il te plaît. Alors j'ai fait une session de Splatoon le 12 novembre 2018, ça a duré 3h40. J'en ai fait une. C'est pour ça que t'as peut-être dû la rater, Doggy, si t'étais pas là ce jour-là. Je sais pas si, enfin, je pense en tant que fan de Nintendo, je pense que je vais me prendre le Animal Crossing, malgré le fait que je suis pas plus fan d'Animal Crossing que ça, j'aime bien y jouer, tout simplement, mais sans être fan plus que ça. D'ailleurs, le dernier sur 3DS, j'y ai pas énormément joué d'ailleurs. Parce qu'en fait, selon moi, ce qui est rebutant, enfin ce qui m'a fait arrêter de jouer surtout à Animal Crossing, c'est le fait qu'on soit limité en inventaire. Et ça, franchement, ça me gonfle de faire des allers-retours parce que t'as 8 places d'inventaire. C'est bon quoi, on est en 2000, enfin le jeu va sortir peut-être en 2019 ou 2020. Et Nintendo, faut vous mettre à jour quoi. Il faut mettre un inventaire
je sais pas, avec 60 places ou des trucs comme ça, quoi. Même si c'est pas illimité. Faites un truc cohérent. Enfin, les gens, ils en ont ras le cul de faire les allers-retours pour vider l'inventaire, vendre les fruits, ramasser les fossiles. Oh là là, j'ai plus de place, je suis obligé de le laisser. Non, sérieux, c'est chiant. Surtout quand on connaît Animal Crossing sur téléphone, y a plus cette limite, quoi. Enfin, je veux dire, si vous ressortez un Animal Crossing en 2019, inspirez-vous de votre jeu mobile, quoi. Refaites pas un Animal Crossing comme tout le monde connaît. Parce que les gens, ils sont plus habitués à ça. Donc c'est une prise de risque, au final. Ah, je l'ai pas mis assez tôt et du coup je l'ai perdu quand même. Ah bah bravo. Bravo le jeu. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? J'espère vraiment que Nintendo va pas faire cette erreur. J'espère vraiment. Parce que franchement, on va pas se mentir, ce qui tue Animal Crossing, c'est le fait de d'y passer 10 plombes pour rien, quoi. Oui, c'est bien, tu vas creuser ton fossile, tu vas ramasser tes fruits, tu vas planter tes fleurs, machin. Mais si t'as pas ton espace de lettres parce que tu peux mettre des cadeaux à l'intérieur qui te augmentent virtuellement ton inventaire, et qui est ultra relou, hein, on va pas se mentir, faut arrêter. Enfin, faut faire un vrai truc, quoi. Tu fais un truc avec 50 emplacements et puis basta. Ce qui est le dessus, c'est que c'est du farming. Bah, ça peut être du farming, mais à partir du moment où tu peux faire un peu ce que tu veux, dans le sens où t'es pas limité par ton inventaire, c'est pas dérangeant derrière, parce que c'est le jeu qui est construit comme ça. C'est tu plantes des arbres, tu les fais pousser, tu les arroses, pareil, tu fais tes fleurs. Par contre, le système pour gagner de l'argent est un peu... naze, on va dire entre guillemets, c'est si tu vends pas des fruits, bah tu gagnes jamais d'argent, quoi. Oh là là, 200 cc, Big Blue, ça va être dur. En fait, le Animal Crossing, tu gagnes de l'argent en faisant tomber des fruits, des arbres et en allant les vendre. Sauf que c'est 100 clochettes le fruit, et tu dois payer des prêts à 10 000, 100 000, enfin, c'est chiant, quoi. Il faudrait qu'ils inventent un système de quête où... Enfin, genre, tu fais une quête, bah tu gagnes 1000 clochettes, quoi. Là, ça commencera à valoir le coup. Un peu comme ce qu'ils proposent sur leur version téléphone. Les quêtes où il faut ramener les fruits aux habitants, quoi. Enfin bon. J'ai pris trop court. On verra bien quand le jeu sortira, mais franchement, j'ai un petit peu peur quand même qu'il reparte sur la même base que le jeu 3DS. J'ai vraiment peur. Ah non, tu fais quoi là? Bah oui, bah, quand t'auras trouvé sur la route que tu veux me poser aussi. C'est rare que j'utilise un canon quand même dans Mario Kart. Et en plus il me lâche à un endroit, laisse tomber, quoi. Oh là là, mais vas-y, avance. Pourquoi je suis deuxième? Ok. J'ai pas compris, il y a plein de monde à côté de moi, d'un seul coup je suis tout seul. Ok. Soit. Bref. Mais ouais, franchement, concrètement, il faut qu'ils fassent évoluer leur jeu Nintendo en 2019, parce que il faut se... Enfin, faut se caler sur les standards actuels, quoi. Enfin, il faut pas rester dans des trucs qui datent d'il y a 50 ans, et tu leur sors ça en 2019, ça commence à être un peu vieillot sur les bords, quoi. Donc bon,
J'espère que... qu'ils auront un petit peu de... de fraîcheur à apporter à la licence. En tout cas, graphiquement, il a l'air magnifique. De ce qu'on en a vu sur la première vidéo. Même si ça, si ça a l'air d'être une cinématique et qui fait absolument pas partie du jeu, mais en tout cas, la Switch en est largement capable. Quand on voit Mario Kart 8, je suis désolé. On peut faire des trucs jolis sur Switch. C'est pas un souci, ça. Alors, maintenant qu'on a bien parlé de Animal Crossing, parlons de Luigi's Mansion 3. Et Doggy, je te pose la question, est-ce que tu as joué aux deux premiers? Je pense que tu as dû au moins jouer à celui sur GameCube déjà. Je pense. Celui sur 3DS, je reste un petit peu plus sceptique. Sur celui de GameCube, je l'ai toujours en arrière. Et donc du coup, tu n'as pas joué aux deux alors. Le 1 est excellent, on va pas se mentir, il n'y a rien à dire sur le 1. Enfin, il a ses défauts comme tout jeu. Mais si derrière on le compare aux deux, bah, je suis désolé, mais le 2 n'arrive pas à la cheville du 1. Déjà avec leur système de... missions où on est dans des parties de manoir à chaque fois, je suis pas accroché, je suis désolé. Genre c'était voulu parce que on veut faire des manoirs avec des ambiances différentes, machin. Bah dans ce cas, je sais pas, tu fais un manoir mais tu fais des zones, genre la zone qui va être différente de la première, etc. Enfin voilà quoi. Il s'était défendu de ça à l'époque en disant « Oui, mais vous savez, les gens sur console portable, ils veulent faire des sessions de jeu rapides, ils veulent pas se prendre la tête, tatati tatata. » Donc les missions, c'est adapté. Ouais. En fait, la 3DS, tu mets en pause, tu fermes ta console, tac, tu la mets dans ton sac, tu vas reprendre ton jeu, tac, tu reprends ta console, tu rouvres, tu continues. Enfin, je sais pas, il y avait pas un truc à faire là-dessus. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc pour moi, oui, le jeu... Alors le jeu n'est pas mauvais en soi, mais le concept de mission a tué le concept même de la licence en fait. Alors j'espère que Luigi's Mansion 3 va revenir au préquel du 1 et va nous proposer un super gros manoir à explorer, même si on va rester a priori de ce qu'on a déjà vu des cinématiques. Sur les ennemis qui sont présents dans le 2 et sur la patte graphique qui a été prise dans le 2. On va rester à peu près sur des choses équivalentes pour le 3, mais j'ai vraiment envie que ça change quoi, enfin please me remettez pas des missions, enfin, voilà quoi. On veut un gros manoir à explorer avec plein de fantômes, avec des raccourcis, avec des passages qui sont bloqués parce qu'on n'a pas le bon upgrade, enfin... Il faut que le joueur ait envie d'aller au bout, d'explorer le manoir, etc. quoi. Comme le 1. Ah, j'ai raté mon départ, dommage. Je me suis dit j'ai commencé trop tôt et puis au final... J'ai voulu temporiser, mais j'ai temporisé un petit peu trop. Toi, tire dans le vide. Donc j'espère vraiment que ce Luigi's Mansion 3 va revenir aux sources et va nous offrir un jeu digne de son, tout simplement.
que le système de capture des fantômes du 2 était pas mauvais, mais on n'avait pas les mêmes sensations que sur GameCube, quoi. Enfin, je sais pas, il y avait un truc qui allait pas. Ah. Ok. En tout cas, je le rappelle, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez participer. Je quitte le mode online et je lance le mode tournoi, il y a le code en bas de votre écran. Je ne l'ai pas lancé tout à l'heure parce que j'avais personne qui m'avait rejoint. Mais si vous êtes disponible et que vous avez envie de jouer avec moi, il n'y a pas de souci, il suffit de me le dire en commentaire. C'est bon. Boomerang, il part jamais quand il faut. Ah, cette erreur. Erreur de débutant, quoi. L'œuf. Se prend l'œuf. Ça se voit qu'il y a longtemps que je l'ai pas fait, ce circuit. Ok, allez. Est-ce qu'on peut rattraper ça ou pas? J'ai un petit doute quand même. Est-ce que les objets vont jouer en ma faveur? Je pense que oui. Allez. Est-ce que ça peut le faire? Est-ce que ça peut le faire? C'est tendu. Faut pas que je me prenne sa carapace à lui. Allez, 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 allez! Ouais, non, ça passe pas. Salut Marco 1708, comment vas-tu? Tu as hâte de tester Team Sonic Racing? Eh ben écoute, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne, parce que le dernier jeu Sonic qui était sorti du presque même nom, on va dire, c'était pas franchement une réussite. Enfin, je sais pas, le jeu n'a pas fonctionné comme il aurait dû fonctionner, pourtant il était pas mauvais. C'était Sonic All-Star Racing Transform, si je dis pas de bêtises, où on avait des courses évolutives, et ça c'était vraiment un bon principe. En fait, tu commençais ta course et il se passait des événements au cours du circuit qui modifiaient un peu son trajet. Et ça c'était un truc qui était, je trouvais, une bonne idée. Et je sais pas pourquoi le jeu a pas marché. Donc en fait, à partir du moment où tu avais ton kart, si tu avais des phases où tu étais dans l'eau, ton kart se transformait en bateau. Et tu avais aussi des sessions où tu pouvais être dans les airs, où ton kart se transformait en avion. Et je sais pas pourquoi le jeu a pas marché. Et là, d'après ce que j'ai compris, ça va être un jeu un petit peu plus axé arcade, comme Mario Kart. Où tu auras pas toutes ces histoires de transformation et autres. Donc à voir ce que ça donne. Et moi je dis pourquoi pas. J'ai hâte de voir aussi Crash Team Racing, qui avait concurrencé Mario Kart à l'époque de la PlayStation. Celui-là par contre je l'ai précommandé parce que j'ai toujours voulu y jouer. Et j'ai jamais eu l'occasion à l'époque. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne aussi. Voir si comme on m'a toujours vanté que c'était meilleur que Mario Kart, etc. S'il y avait un vrai mode histoire et tout. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Ça a vraiment accès épique. Qu'est-ce que tu veux dire par là, du coup, Marco? Crash Team Racing est exceptionnel, d'accord. Et bah tu vois, t'es encore une personne supplémentaire qui me vend les mérites de Crash Team Racing. Donc du coup, bah j'ai vraiment hâte d'y jouer, parce que tout le monde me dit, ouais, Mario Kart à côté, c'est pas ouf. Donc bah écoute, je verrai bien quand il va sortir, je l'ai précommandé. Il sort d'ailleurs cet été, je crois, je sais plus, au mois de juin il me semble. Ou au mois de mai, je m'en rappelle plus.
Mais non, je gagne une course en 200 en étant premier, c'est pas possible! Tout à l'heure j'ai perdu! Eh ben, du coup, je pense que je proposerai à l'avenir, quand le jeu sera sorti, sûrement des lives sur Crash Team Racing. Peut-être. Le Team Sonic Racing est vachement axé épique. C'est que des courses en équipe de 3. Le 21 juin, d'accord. Bah merci de la précision, Marco. Alors c'est que des courses en équipe de 3, d'accord. Ah ça je savais pas par contre. C'est-à-dire qu'en fait t'as des classes de personnages, ils sont par team, genre un peu comme Sonic Heroes quoi en fait. Ça va être assez bizarre. Oh, miroir. Miroir sur piste musicale, on l'a déjà fait tout à l'heure ça. Le 21 juin, ouais c'est dans. Bah c'est dans pas si longtemps que ça, hein. C'est le mois prochain. Le 21 du mois prochain. Vu qu'on est toujours le 1er mai. Oui. Le monsieur s'est suicidé devant moi, j'ai pas compris. Alors, je m'excuse par avance, hein, je lis pas trop les commentaires en partie. Enfin, j'essaye de les lire quand je suis en ligne droite ou qu'il n'y a pas grand chose à faire. Vidéo par Gameblog qui ont testé. Sur YouTube, elle date d'hier. D'accord. Ah, du coup, je regarde les commentaires, je regarde plus la course. Ok. Ça, c'est bien. Ça t'attache ta carapace, tu m'embêteras plus avec. Ah, elle en a une autre. Alors que je lui donne un petit coup de klaxon alors. Hop là. Eh bien écoute, j'ai hâte d'y jouer. Et je ferai sûrement des vidéos en live de ce jeu. C'est un peu comme j'attends aussi la trilogie Spyro sur Switch. Parce que c'est pareil, j'ai pas eu l'occasion de les faire à l'époque sur la PlayStation. Ah, forcément. Comme ça je perds plus de pièces. Et comme ils ont sorti la trilogie Crash sur Switch, je me dis que la trilogie Spyro devrait pas tarder à arriver aussi. Alors c'est une vidéo. Ok. Parce que du coup j'avais. En fait j'étais en mode je lis le commentaire, je lis le commentaire, je lis le commentaire. Et puis en fait je me suis cassé la figure sur la course. Tant pis. Mais ouais, effectivement. Des prochains jeux qui arrivent là. Bah c'est ça qui me hype le plus pour le moment. C'est après il n'y a pas. Les autres jeux qui vont arriver plus tard, bah c'est plus tard comme je vais le dire. Voilà, donc ça sera pas tout de suite. Comme bah, Metroid Prime 4 que j'attends énormément. Luigi's Mansion 3. Animal Crossing, même si je l'attends un peu moins, j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner. J'ai vachement hâte aussi de voir ce que ça pourrait donner aussi avec Link's Awakening sur Switch.
que je compte aussi faire en live. Donc on va bien voir ce que ça donne, tout ça. On va bien voir ce que l'avenir de la Switch nous réserve. Allez, route arc-en-ciel Super NES en 150. Hey, merci à toi, Miyu. Ouyou, ouvou, je sais pas comment on prononce, je suis désolé de la prononciation de ton pseudo. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Je dirais juste Miyu, comme ça je me tromperai pas. Allez. Alors je sais pas si comme lui il vient de faire devant là, si ça gagne du temps de prendre le tremplin pour avoir le boost plutôt que de faire un dérapage violet. Je suis pas convaincu. Ah non, je passais là. Sérieux. Allez, on va prendre l'étoile. On va voir si on peut faire quelque chose de bien avec ça. Ouais, j'aurais dû garder le champi pour après, c'est pas grave. Je vais peut-être en avoir un autre. Oui! Hop, comme ça, on peut passer ici. Ah oui, c'est parce que je suis 7ème en fait. J'allais dire, c'est bizarre, j'ai des objets un peu pétés là. C'est pour ça. Je trouve ça un peu abusé le nombre d'étoiles que j'ai eu là quand même. Je vais pas me plaindre. Ouh, carapace bleue. Elle est pas passée loin. Ah, follow, attendez, je peux pas regarder. Oui, ça passe. Deuxième. Merci pour le follow, Justin Bailey 13, ça fait plaisir. Don't speak French, but your friend code wasn't working. Comment ça? Ah oui, d'accord. Enogi, tu peux lui dire que s'il veut jouer avec moi, je peux aller en mode tournoi. Si jamais il a envie de jouer avec moi, je peux arrêter de jouer en mode online et je peux rejoindre le mode tournoi pour pouvoir jouer avec lui. Je suis désolé de te prendre pour traducteur et de Guy, mais je pense que tu manies mieux l'anglais que moi. Le temps que j'arrive à m'exprimer, il va se passer un certain temps. Ah, je me suis fait avoir avec la barrière, c'est pas grave.
cas, merci Edogi pour la traduction. Je sais pas si s'il est toujours là. J'ai eu chaud là. Ah, je pensais qu'il allait pas, qu'il allait prendre le double objet, mais en fait. Dommage que ce soit pas le dernier tour, j'aurais kiffé. J'aurais tellement kiffé faire ça au dernier tour devant la ligne d'arrivée. Ah, j'ai pas pris mon dérapage assez tôt, c'est pas grave. Oh non. Pourquoi ça? Pourquoi tant de haine? Ah c'est bon. Alors juste tourner code. Donc du coup il faut que j'aille jouer en mode tournoi alors. Ok, eh ben j'y vais. I come. C'est parti. Château d'Hyrule ou Château d'Hyrule, je pense que le choix est fait. Ah, États-Unis. You come from America. Château d'Hyrule.
Ah, deuxième participant, intéressant. C'est très bien ça. Ah, ok. Oh, it's normal. You need to play some. You need to play more for get experience. Sorry for my English. I'm French. I don't speak English very well. Un Allemand qui est avec nous. Dutch. Bah c'est intéressant tout ça. I speak English from the school level quoi. If you understand me, it's good. Alors, il faut quand même rappeler que ce circuit était à la base du coup sur Super NES. Il a été réédité sur Game Boy Advance à l'occasion du jeu Mario Kart Super Circuit. Et ensuite il a été du coup intégré sur Mario Kart 8 sur Wii U. Et il a pris une toute autre dimension avec sa partie surélevée avec l'antigravité qui était nécessaire pour pouvoir coller au concept du jeu. Enfin, malgré qu'il y a des circuits hein, qui n'utilisent absolument pas cette features, mais c'était un peu plus sympa d'ajouter une dimension haute au circuit, c'était intéressant. And what do you think about the game? If you bought it yesterday? Oh, it's a good thing. Mario Kart DS. Ah, Mario Kart DS, I remember. I play a lot at this game. Just play. I mean, there is no snaking in this, but it's great. Ah, yeah, there is no snaking in this game. It's well, it was a very cheat method on the death game. If you play online with a guy with the snaking method, the defeat is assured. Pourquoi la bombe elle a explosé mais ça l'a pas tué.
Ah, j'ai touché l'herbe, forcément. Le klaxon. J'ai pas compris pourquoi il s'est arrêté. Si je dis pas de bêtises d'ailleurs, il me semble que ce circuit-là... non, il avait pas été repris sur DS, j'allais dire une bêtise. Je crois qu'il avait été repris sur DS. Yeah, thanks to you for joining me for playing. With practice. You can win in a further day. Okay, hurry up. So, thank you to join me and have a good day. Ha. Ah, comment je joue mal! Ça va, Egogi, je me débrouille en anglais, ça se passe comment? Ah putain, j'aurais pas dû lâcher la bombe tout de suite. Mon anglais est rouillé, hein, je m'en sers, je parle jamais en anglais. Tu sais que la dernière fois que j'ai parlé anglais, c'était au lycée. Dis-toi que ça remonte un peu. Que c'est la même pour moi et que je suis plus vieux que toi. Ouais, c'est pas faux.
C'est pas faux. Mais je pense que toi, t'as peut-être eu l'occasion un petit peu plus souvent de te servir de l'anglais, je pense. C'est un petit peu mieux resté dans ta tête. Allez, allez à toi. Allez. Même pas. Bon bah écoute, on est dans la, on est au même niveau alors. Promenade Toad. Ok, bon, ce circuit est sympa, mais il faut juste arriver à prendre le raccourci correctement en fait, pas comme j'ai fait. En fait, il faut arriver à ne pas taper le mur. C'est un peu tendu à pas taper le mur parce que en fait il faut, dès qu'on atterrit, il faut repartir en dérapage et freiner en même temps. C'est un petit peu chaud à faire. On va le tenter. Ouais, j'ai tapé mais j'ai perdu un petit peu moins de vitesse. C'est déjà là où, au tour d'avant où il m'a rattrapé déjà. Ok. Ok, ça passe. Il va encore me redoubler. Ça fait trois fois la carapace rouge au même endroit. Ça fait trois fois que je le double avec un champi dans le virage. Sauf que là, ce sera pas le cas parce que j'en ai pas. Ah non, j'ai tiré le boomerang dans l'autre sens. Je me suis trompé de sens. Tant pis. Bon, on en fait une dernière. Parce que j'avais pas vu l'heure. I play one last course for today. If you hear me on the stream, the next course will not exist. Oh là là, cet anglais de merde. It's the last. Voilà. Will be not exist. Avec un accent de merde dans chinois. En gros. Ouais, c'est ça.
levais tôt en plus ce matin. En gros, je lui disais que si jamais il écoutait le stream, que ça c'est la dernière course, il n'y aurait pas de course après. C'est ça en gros que j'essayais de dire. Non mais t'avais compris parce que t'écoutes en français aussi, tu triches, Edugi. Ouais, c'est vrai que j'ai voulu partir dans un truc compliqué alors que en fait c'était tout simple à dire. Putain, j'ai perdu aussi en lancer de carapace. Je lance tout à côté quoi. D'habitude j'arrivais à intercepter les trajectoires mais là... Que dalle. Ah mais roule pas dans le sable, qu'est-ce que tu fais? Puis c'est pas avec des carapaces vertes et des boomerangs, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je joue comme une merde! Il m'a laissé gagner. Il m'a laissé gagner. Ok, so if you're on the stream, it was the last one. Thank you for joining me. And see you on the next day. Ok, et bien écoutez les amis, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci d'avoir été présent, ça fait plaisir, on a joué avec du monde en plus, c'était bien, c'était cool. N'oubliez pas, mercredi prochain, on se retrouve pour la suite de Metroid, la saga, parce que Metroid Fusion, on va débuter ça la semaine prochaine à 21h, d'ici là... Portez-vous bien, merci à tous d'avoir été là, j'espère que ça vous a plu, et portez-vous bien. Allez, à la prochaine !